Laurent, bonjour. Amenarikwa, bonjour, bonjour amis téléspectateurs et amis internautes. Bienvenue. Merci. On démarre par Fraternité qui parle ce matin du président Patrice Talon, enfin, qui revient sur des propos tenus par le chef de l'État lors de la visite à lui rendue par le président Mohamed Bazoum du Niger, quand il aura été interpellé donc, sur la question du remaniement ministériel. Talon rassure ses ministres et déçoit les courtisans. Je crois que depuis hier, ça me fait oui. marrer. Je n'aimerais pas être à la place de ces soutiens en réalité qui, contre vents et marées, sont prêts à vous traiter de tous les noms et qui espèrent peut-être être positionné ou qui peut-être ont commencé par former leur cabinet. Déjà. Parce que des informations avaient même circulé ces derniers jours comme quoi des gens seront, en tout cas, seront enlevés du ministre, du gouvernement, qui resteraient quatre ministres et que d'autres, de nouvelles têtes allaient rentrer. Alors, je crois sincèrement que Patrice Talon me donne malheureusement ou heureusement raison parce que quand je pense que, quand on regarde depuis 2019 à aujourd'hui, Patrice Talon n'a pas eu besoin d'un soutien politique pour gagner les élections. Il a fallu qu'il réfléchisse pour mettre en place des stratégies pour gagner ces élections. Et donc, de ce point de vue, il n'a besoin de personne en réalité pour continuer à dérouler son plan. Et donc, dans cette situation, souffrez qu'il dise qu'il ne changera pas son équipe parce qu'au-delà de toute l'équipe qu'il a peut-être là qui travaille avec lui, c'est pour atteindre des objectifs. Il arrive si bien à atteindre ses objectifs. Et pourquoi alors changer l'équipe en réalité? Il dit on ne change pas une équipe qui gagne. D'accord, oui, l'équipe a gagné sur bien des plans. Et bien évidemment, il y en a pas mieux qui ont échoué sur bien des plans. On ne va peut-être pas s'attarder sur ce volet. Mais j'estime que c'est ce que j'ai dit au lendemain de la présidentielle de 2021, et peut-être beaucoup n'ont pas compris, ou peut-être se sont énervés de ce que je me prononce de cette manière. Je disais expressément ce qui suit. Quand on a demandé pourquoi ce talent n'a pas remanié pour autant de gouvernement, je disais seulement, Patrice Talon disait aux partis politiques, allez vous calmer, je ne vous dois pas ma victoire. Et donc, quand on regarde ça, et quand on regarde 2023, et quand on sait que des gens dans son gouvernement, ministres, sont allés aux élections, et ont échoué, et que dans une certaine mesure, dans un gouvernement, il faut allier technocratie et puis popularité dans une certaine mesure, parce qu'au-delà de ce que on ne veut pas nécessairement tenir compte de la popularité de quelqu'un, on tient compte de ses compétences. Mais toujours est-il que sous les tropiques, malheureusement, c'est deux éléments qui vont de pair. La personne, la compétence d'abord, et puis après, au-delà de la compétence, qu'est-ce que la personne peut apporter en termes de mobilisation de masse? Excusez. Et à l'État, je vais peut-être choquer les gens en disant que la plus grande partie des ministres de Patrice Talon, ils ne sont pas populaires pour autant. En réalité, ils n'arrivaient pas à mobiliser les masses pour autant dans leur localité. Les résultats sont là. On peut questionner les résultats de 2019, on peut questionner les résultats de 2020, 2021, bien évidemment. Et donc, quand on regarde tout ça, on met tout ça dans la balance, et que le chef, en réalité, continue de diriger le pays avec la même équipe pratiquement, modifiée à quelques exceptions près depuis quelques années, c'est qu'on se rend compte que ce monsieur est dans une logique. Ce n'est pas la popularité qui compte pour moi. J'ai les moyens de gagner les élections, de gagner les batailles politiques face à mes adversaires. Et donc, par conséquent, je continue avec la même équipe. Toujours est-il qu'il y a aussi peut-être cette crainte de ne pas avoir en face de soi des gens qui voulaient côtoyer pendant 7 ans ou 8 ans ou 6 ans. C'est des gens qui auront des éléments pour s'opposer à vous peut-être. Il y a peut-être cet aspect-là. Et j'estime peut-être que les raisons qui motivent aussi ce refus du chef de l'État de ne pas remanier son gouvernement sont peut-être aussi ailleurs. Moi, je me dis. Et donc, oui, les acteurs politiques, que ce soit les formations qui soutiennent Patrice Talon, UPR, BR, UDBN, Moël Bénin, je leur dis beaucoup de courage ce matin parce que j'imagine qu'on n'est pas mieux, peut-être on a commencé à réfléchir, espérer que s'il y a un gouvernement remaniement, qu'on ne le veuille pas, quelqu'un de leur formation politique serait déjà nommé ministre et positionné et que maintenant le chef de l'État en parle comme ça. Et le revers de ce qu'a dit le chef de l'État, c'est que il y a des gens peut-être que ça va vraiment choquer. Choquer, et ça va décourager. Décourager. Dans une certaine mesure. Dans une certaine mesure. Et je n'aimerais pas être à leur place.
Malheureusement, j'insiste encore là-dessus. Je leur dis beaucoup de courage. Mm-hmm. Beaucoup de courage. C'est l'homme, ça a parti salon. Mm-hmm. Ils disent ce qu'ils pensent et ils continuent. Quoi. Vous n'avez rien à le faire. Et comme je l'ai dit, gagner une élection, gagner une bataille politique, Patrice Salon n'a pas besoin d'eux. Il n'a pas besoin d'eux. N'eût été lui, ça peut être sa stratégie, un certain nombre de choses qui ont été faites. Je suis sûr que le déclin est arrivé depuis. Mm-hmm. Et donc, ces acteurs politiques, puisque ils rentrent dans leur communauté, combien sont-ils à être encore en odeur de sainteté avec leur communauté dans une certaine... Il y en a, il faut insister là-dessus, qui sont encore populaires. Bien sûr, quelques-uns. Ou quelques-uns. Et voilà. En tout cas, pour le moment, le quotidien, le devoir, hein, demande à tous ceux qui attendent de bien vouloir aller dormir et de se réveiller en 2026. Non, en 2026. Sinon, sur la question, ce n'est pas évident que le gouvernement sera là comme ça jusqu'en 2026. Oui. Non, je crois que ça ne sera pas. Trois ans, donc. Hein? Non, oui, oui. Non, pour être sérieux, je crois que Patrice Talon, en réalité, lui-même n'oserait pas aller au en 2026 avec la même personne. En tout cas, dans l'entièreté. Pourquoi parlez-vous d'audace? Non, quand je dis qu'il n'oserait pas, parce qu'en réalité, il faut, au-delà de tout, en réalité, c'est vrai qu'il faut dire une chose, hein, il faut être... C'est son second mandat. C'est son second mandat. Donc, il n'y a plus beaucoup de calculs à faire, normalement. Oui, il n'y a pas beaucoup de calculs à faire, mais il y a beaucoup de personnes qui... Donc, il est satisfait de ceux qui sont là, comme il le dit. Pourquoi ne pas les garder jusqu'à la fin? Bon, de toute façon, mais ce qui est sûr, il y a un côté qu'il faut apprécier dans ce qui se passe. Le fait de ne pas changer à tout bout de champ les ministres... Ça donne la stabilité. Non seulement la stabilité, c'est un gain, parce que un nouveau ministre nommé, il faut les frais d'installation. Il faut un certain nombre de choses. Il faut un certain temps aussi pour s'imprégner de tous les dossiers. Et tout ce qui tourne autour. Il y a son côté négatif et son côté positif. Absolument. Mais on a les moyens de contourner. Alors, évidemment, c'est ces propos du chef de l'État, Patrice Talon, disons qu'il les a tenus lors de cette rencontre avec le président nigérien. Mohamed Bazoum, qui est donc en terre béninoise depuis hier. Et au détour, justement, de cette visite, le président nigérien est vraisemblablement édifié sur l'attractivité du port de Cotonou. C'est la nation qui en parle ce matin, Laurent. Oui, je crois que... Qu'il était hier, en fait. Oui, mais on l'a dit hier, le port de Cotonou, on se dessert le port de Niger, bien évidemment. Et donc, c'est un peu comme... une copropriété avec le Niger et le Burkina Faso, bien évidemment. Mmh. Et avec ce qui a été fait au port autonome de Cotonou, en tout cas, avec les informations qu'on a pu avoir, bien évidemment, c'est que le port de Cotonou dispose d'un certain nombre de choses qui arrangent le service de qualité d'ailleurs. Mmh. Même si en termes de compétitivité, il y a peut-être à encore travailler, notamment pour éviter que beaucoup de clients des pays de l'Interland aillent vers le Togo. Dans le Togo. Je crois que ce qui se fait déjà là, c'est très intéressant. D'ailleurs, vous avez sur le tronçon, nous sommes sur le tronçon, tous les jours des camions qui quittent Cotonou pour le Nord Bénin, bien évidemment. Mm-hmm. Donc, j'estime que si le président nigérien est satisfait de ce qui se fait, donc c'est déjà une bonne chose, c'est déjà une bonne nouvelle, parce que s'il se rend au Bénin, ce n'est pas peut-être pour voir, les beaux yeux des Béninois, mais c'est pour se rendre compte que, pour constater si le Bénin, le port de Cotonou, continue d'avoir des infrastructures de qualité pour servir en temps utile, et en tout cas servir dans un bref délai les doléances des transporteurs ou des opérateurs économiques nigériens. Oui. Parce que je l'ai dit, il y a le Nigeria, pardon, le Togo à côté, mais évidemment le Nigeria aussi à côté, mais aussi là-bas c'est beaucoup plus difficile pour eux. Mm-hmm. Mais je crois que le Togo est le concurrent immédiat à côté. Il va falloir travailler à davantage satisfaire ces personnes. Le pétrole du Niger sera aussi le pétrole du Bénin. Les propos de Mohamed Bazoum, ici au Bénin. À l'endroit du chef de l'État. Le chef de l'État l'a confirmé aussi, mais c'est un discours politique. Le pétrole du Niger ne sera jamais le pétrole du Bénin. Le pétrole du Niger transite par le Bénin, le Bénin reçoit des tasses, le Niger paye des tasses, le Bénin gagne, mais le Bénin ne peut pas espérer avoir une part où le Niger dirait, bon,
par mois nous versons une quantité de pétrole au Bénin. C'est un discours politique. Toujours est-il vous que... ne croyez pas? Non, je ne crois pas. Écoutez, on est sur un terrain politique quand même. Et donc, il faut dire des choses peut-être pour intéresser. Le pétrole du Bénin, du Niger, n'est pas le pétrole du Bénin. Si c'est ça, c'est que l'uranium du Niger aurait été l'uranium du Bénin depuis, bien évidemment. On a vu combien de fois les camions d'uranium passent par ici pour aller dans un pays de l'Europe. Et l'uranium là est utilisé pour l'énergie dans ce pays. Pourquoi est-ce que l'uranium n'est pas déversé au Bénin aussi pour que nous puissions avoir de l'énergie aussi comme ce pays? J'estime que, oui, c'est un dispositif. Le pétrole transite par le Bénin. Et c'est déjà une bonne chose déjà parce que l'Union va payer constamment des taxes au Bénin. Ça permet au Bénin de mobiliser des ressources pour son développement. Mmh. Ça, c'est une bonne chose. Mmh. Alors, répondant toujours aux questions des journalistes, le chef de l'État, Patrice Talon, eh bien, s'en est plus ou moins pris à RFI, estimant que les attaques, hein, pour parler les attaques djihadistes, terroristes au nord du Bénin sont de plus en plus rares et qu'il faudrait que eh bien, la chaîne, c'est comme s'il donnait finalement une leçon de journalisme. Aux confrères de Radio France Internationale. Non, je pense que le chef de l'État a peut-être assez raison de s'en prendre à RFI, mais moi, j'insiste sur un fait. Hier, déjà, on parlait de la difficulté d'accéder à l'information. Mmh. Et qu'ils vous souviennent, je ne sais pas si vous avez l'information, mais il y a des confrères qui ont été arrêtés parce qu'ils voulaient aller faire des enquêtes sur le site pour savoir comment ça se passe et tout ça-là. Mais ils ont été arrêtés comme des délinquants, bien évidemment. Il y a une consoeur, il y a un confrère, je ne citerai pas le nom sur ce plateau. Mais peut-être que si les Bénins ne le savent pas, au moins, nous le savons. Enfin, vous avez cité le nom hier en plateau. Non, je n'ai pas cité le nom. D'accord. Je n'ai pas cité le nom. D'accord. Et donc, alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est pour vous dire que quoi s'il y a une disponibilité de l'information, les gens ne diront pas n'importe quoi. Parfois, vous êtes à Cotonou, vous savez très bien, vous et moi, que c'est sur les réseaux qu'on lit qu'il y a attaque à Matéry. À et oui, c'est sur les réseaux sociaux qu'on lit que, finalement, qu'il y a un groupe d'intervention qui a été envoyé. À quel moment est-ce que les gouvernants ont pu mobiliser la presse avec le chef d'état-major pour donner les vraies informations concernant ce qui se passe? C'est vrai, on ne leur dit pas de nous dire quelles sont les stratégies mises en place. Mais qu'on nous donne l'information de comment est-ce que ça évolue sur le terrain. Par exemple, on a vu un communiqué. Je crois le week-end, samedi ou vendredi, où je vois un communiqué comme quoi il y a des communes dans lesquelles il y a... on ne peut plus circuler de 19h à 6h du matin. Un couvre-feu. Voilà, et c'est un message porté. D'accord? Alors, à quel moment a-t-on appelé les journalistes pour leur dire, dans ces communes de 19h à 6h du matin, on ne peut plus circuler, voilà pourquoi nous avons pris telle décision, parce que. On a découvert tous ensemble ce message-là. Donc, quand c'est comme ça, les gens, parfois, en voulant informer la population, peuvent dire des choses qui ne sont pas peut-être réelles, bien évidemment. J'estime que les gouvernants de mon pays, notamment les gens à des niveaux stratégiques, essaient de donner l'information aux acteurs des médias. Le chef d'État s'en prend à RFI, peut-être le Bénin n'a pas les moyens, peut-être, pour autant de sanctionner le journaliste qui a donné l'information sur RFI, ou peut-être aujourd'hui ils n'ont pas envie de couper RFI au Bénin comme ça, et c'est le cas au Mali, au Burkina Faso. Mais je crois que si l'information pour laquelle le chef d'État s'énerve, si c'était un média béninois qui avait peut-être livré cette information, je suis sûr qu'on a les moyens d'obliger les gens à mettre la clé sous paillasson. Donc j'estime que pour éviter que les gens disent des choses qui sont graves ou qui ne sont pas réelles, il vaut mieux mettre en place une stratégie pour informer en temps opportun, permettre aux professionnels des médias d'avoir la vraie information, plutôt que de les laisser découvrir des communiqués sur les réseaux sociaux. C'est une erreur. Et comme ça, les gens vont... Parce que, en l'absence de... Vous savez, Laurent, qu'une chose est de ne pas avoir accès à l'information, une chose est que le pouvoir central peut-être ne livre pas l'information, ou que les autorités militaires ne livrent pas l'information, et il en est une toute autre que d'en inventer, par exemple. Parce que le chef de l'État estime que Radio France Internationale donne des informations qui ne sont pas vraies. Estime
chef de l'État estime que on parle d'attaques répétées au nord du pays, alors que la situation est totalement bien sous contrôle et qu'il y a donc de moins en moins d'attaques. C'est ce que je dis. Donc, quand on dit qu'il y a beaucoup d'attaques, alors qu'il n'y en a pas beaucoup, c'est qu'on on ne donne pas la bonne information. Donc, ce n'est pas parce qu'on n'a pas l'information qu'on peut s'octroyer le droit de donner une fausse information. Il faut qu'on fasse la nuance, en fait. Je n'encourage pas le fait qu'on donne de mauvaises informations, qu'on invente l'information. Mieux vaut se taire. Mais écoutez. Parce qu'après, autrement, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que les mêmes causes finiront par produire les mêmes effets. Vous avez donné l'exemple du Mali, vous avez donné l'exemple du Burkina. Oui, on n'aimerait pas. Écoutez, au Bénin. Si le pouvoir en place estime, oui, qu'il est menacé, ou en tout cas ses intérêts sont menacés du fait d'un média, à un moment ou à un autre, des mesures seront prises. Mais les mesures seront prises, c'est ce que je ne voudrais pas qu'on en arrive là. Justement. Parce que si arriver à cet extrême, ce n'est pas bien pour l'image du pays, dans certaines mesures. Les autres, Burkina Faso au Mali, on sait qu'ils sont en train de tourner le doigt à la France. Jusqu'à nouvelle ordre, le Bénin encore en coopération avec la France. D'accord. Donc, Patrice Arnaud était en France. Voilà. Et donc, rencontré d'ailleurs. Toutes les décisions n'arrangeraient pas l'image du Bénin. Mais ce que je dis, c'est très simple. Moi, je ne suis pas d'accord qu'on livre des informations qui ne sont pas réelles. Voilà. Mais faire faciliter l'accès à l'information aux gens. Parce que, au-delà de tout, ne pas faciliter l'accès à l'information aux gens. Même pas aux journalistes seuls, vous savez quoi population. Vous savez, vous qui êtes là, il vous arrive peut-être d'avoir des éléments dans certaines communautés pour avoir des informations. D'accord. Vous n'êtes pas sur le terrain, mais vous appelez parfois, puisqu'il n'y a pas une information officielle, votre correspondant sur le terrain qui vous envoie l'information, quelque part, compte tenu de la confiance que vous lui faites, vous pouvez croire ce qu'il dit. Donc, il faut que les officiels aussi travaillent à donner la vraie information pour éviter l'amalgame. D'accord. Toujours sur cette rencontre entre les présidents béninois et nigériens, l'accord de mise en œuvre de l'arrêt du 12 juillet 2005 désormais signé, Laurent Roland Tonekès, il s'agit de ce dossier concernant l'île de l'été. Oui, je crois que ça a été une bataille entre le Bénin et le Niger. Donc longtemps, et le Bénin a pu gagner une partie, le Niger aussi a gagné une partie, mais malgré tout, il y avait toujours des problèmes dans la localité. Je crois qu'aujourd'hui, quand on suit les décisions qui ont été prises en la matière jusque-là, il va falloir travailler à ce que chaque pays respecte les décisions et que chaque pays connaisse les limites qui sont les siennes, bien évidemment, pour que nous évitions l'escalade au niveau de ces frontières. Mmh. Ce n'est pas que là, il y a dans la région nord-ouest aussi avec le Burkina Faso, il y a des problèmes là-bas aussi. Mmh. Et même le long, avec le Nigeria aussi, il y a des problèmes dans certaines localités-là. Je crois que les autorités des deux pays doivent travailler en synergie pour éviter les violences, puisque souvent, la plupart du temps, parfois, c'est les malcompréhensions qui amènent les violences. Vous imaginez même parfois que le Bénin, à son territoire là, n'a pas utilisé peut-être du côté du Burkina Faso. Il se fait que les Burkinabés sont venus construire des écoles sur le site. Et donc, ça, c'est des choses qu'il faut corriger à l'avenir. Parce que nous sommes des passants, à un moment donné. Et que ce soit le chef de l'État, le gouvernement actuel, nous qui sommes là aujourd'hui, nous allons partir un jour et nos enfants seront là. Alors, vaut mieux régler les problèmes dès maintenant pour éviter les situations difficiles plus tard. Merci à vous, Laurent Roland Tonekès.